Pour gérer les connexions avec des sites tiers ainsi que les applications que l'on a installées sur son profil Facebook, il faut se rendre dans les paramètres et cliquer sur l'onglet applications. Sur cet onglet, on va trouver toutes les applications que l'on a installées, que ce soit pour un usage interne au sein de son profil Facebook ou que ce soit par rapport à une connexion avec un site tiers. Il y a aussi d'autres rubriques que nous verrons plus tard, qui permettent de gérer soit les flux publicitaires ou les données qui sont intégrées dans ces flux publicitaires, soit la notion de connexion avec les applications. Alors, premièrement, on va s'intéresser par exemple à une application installée ici, qui sert de connecteur et qui sert aussi potentiellement à publier des informations sur son profil. Et on voit que cette application nous permet... De vérifier déjà quels sont les paramètres qui sont activés par rapport aux données qu'on échange avec l'application ou à travers celle-ci. Et puis, on peut voir aussi qu'on a une visibilité de l'application qu'on peut régler de public où on peut en modifier l'audience selon des critères qui nous conviennent, que ce soit uniquement pour des amis, uniquement pour soi ou pour une liste de personnes en particulier. On voit aussi que quand la mention obligatoire est présente à côté d'un segment d'information, on ne peut pas intervenir sur celui-ci. Ça signifie que ces informations-là seront obligatoirement transmises par Facebook au site tiers ou à l'application en question. On voit ici que le segment publication, je pourrais le désactiver si je le désire et je peux refuser de recevoir des notifications. Je peux aussi, par rapport à ce segment, afficher tout ce que l'application a publié sur mon profil depuis que je l'ai installé. Ce qui nous amène dans l'historique personnel du profil Facebook, dans la rubrique Les applications, et concernant Soundcloud précisément, je peux de nouveau régler des paramètres tels que je pouvais le faire dans le gestionnaire d'applications auparavant, ou je peux aussi intervenir sur des éléments qui ont été publiés par l'application auparavant, soit en en changeant l'audience, soit éventuellement en n'autorisant plus que cette publication soit affichée dans le journal, ou en la supprimant concrètement. Je peux aussi supprimer l'application depuis ici. Si on revient au gestionnaire d'application et à notre application SoundCloud, je peux soit la supprimer depuis l'historique personnel, mais je peux aussi la supprimer depuis le gestionnaire d'application. Et là, on voit que si je la supprime, j'ai l'option en plus de pouvoir supprimer tous les contenus qui étaient associés à l'application en question. Il est aussi possible de désactiver complètement toutes les applications auxquelles on était associé. Mais si l'on fait ça, le contenu des applications précédemment partagées sur le journal de son profil Facebook restera. Par contre, plus aucune application n'aura accès à son compte Facebook. Il y a un autre aspect qui concerne les applications qui sont utilisées par d'autres sur Facebook. Alors la particularité de cette rubrique ici, c'est qu'elle fait référence à des applications qui sont installées par nos amis sur leur propre profil et aux autorisations concernant l'accès à nos propres données qu'on donne à ces applications qui sont installées sur le profil de nos amis. A ce niveau-là, pour être sûr que ces applications installées par nos amis n'accèdent qu'à nos données publiques, il faut éditer ce champ et décocher toutes les cases qui sont précédemment cochées parce que Facebook active ces cases par défaut. Une fois qu'on a décoché toutes ces cases, on enregistre. De cette manière, on ne communique plus les données sensibles ou protégées de notre profil Facebook à des applications installées sur le profil de nos amis. Maintenant, si je veux concrètement voir comment se passe la mise en relation de mon compte Facebook avec un site tiers, je peux aller par exemple sur le site de France TV Info. Ici, j'ai la possibilité soit de m'inscrire, soit de me connecter à un compte existant. Donc si je m'inscris, par exemple, on voit que j'accède à l'interface de création de compte. Soit je peux créer un compte de manière conventionnelle, avec un nom d'utilisateur, un email, un mot de passe, si je ne veux, par exemple, pas transférer toutes mes données Facebook à France TV Info. Et si je choisis de me connecter avec le connecteur Facebook, dans ce cas-là, France TV Info va me demander des autorisations spécifiques en fonction des différents éléments auxquels ils veulent accéder. Par exemple, il est clairement mentionné que France TV Info recevra les informations concernant mon profil public, ma liste d'amis, adresse électronique, ville actuelle et activité de France TV Info, ainsi que les activités de France TV Info de vos amis. Alors, on voit aussi que ça ne permet pas l'application de publier sur Facebook. Disons que je sélectionne OK. Je valide. Là aussi, France TV Info voudrait publier sur Facebook pour vous. Alors on peut accepter ou pas que France TV Info publie ou pas sur notre profil et selon certains critères d'audience, où on peut gérer simplement tout ça plus tard. Disons que j'accepte pour le moment qu'il publie pour mes amis. Une fois que je valide, soit la validation est effective et je suis connecté au compte France TV Info, soit il y a encore des demandes supplémentaires qui pourraient concerner par exemple les pages Facebook professionnelles que je gère. Maintenant, si je mets à jour ma page, je la rafraîchis, on voit bien que le nouveau connecteur avec France TV Info va s'afficher au sein de mon gestionnaire d'application. Et que je peux de nouveau choisir sur certains points, par exemple les publications, de les désactiver, de choisir si je veux recevoir ou pas des notifi notifications, et potentiellement aussi de voir l'audience de l'application en tant que telle que je peux régler par exemple sur moi uniquement si je veux que personne d'autre voit ce que l'application publie. On voit bien que par contre, pour le profil public, la liste d'amis, l'adresse électronique et la ville actuelle, je n'ai aucun pouvoir sur ces, la transmission de ces informations. Maintenant, il est aussi possible d'aller gérer les applications sur d'autres plateformes sur lesquelles on est inscrit, telles que Google, Twitter, LinkedIn et d'autres encore. Alors, commençons par Google. Pour Google, il suffit d'aller dans les paramètres de son compte. Une fois qu'on est dans les paramètres de son compte, il faut modifier les paramètres. Et cette modification de paramètres nous permet, quand on descend euh, en bas de la page, arriver l'onglet applications et activités, gérer les applications et les activités et j'accéderai à quelque chose de similaire à Facebook avec la possibilité éventuellement de modifier les applications ou les activités de l'application, supprimer les activités de l'application, des paramètres de connexion d'application l'application avec des cercles spécifiques, je pourrais choisir qui voit l'application en particulier avec aussi cette même possibilité de le modifier directement depuis ici. Concernant Twitter, il faut que j'aille dans les paramètres de mon profil. Une fois que je suis dans les paramètres de mon profil, je vais sur l'onglet Applications. Et là, mes seules possibilités, c'est de révoquer les droits d'accès d'une application donnée. Je peux révoquer un accès, je ne peux pas gérer des paramètres spécifiques par rapport à cet accès autorisé à mon compte Twitter. Je vais sur LinkedIn maintenant. Là aussi, il est possible avec LinkedIn, en allant dans les paramètres de confidentialité, donc les préférences et confidentialité, groupe entreprise et applications, de voir les applications auxquelles le compte LinkedIn est associé. Et là aussi, je peux éventuellement, par exemple, supprimer ces le applications. Compte Google est différent du compte Google ⁇ du fait qu'il gère tous les services Google auxquels on est abonné, y compris Google ⁇ C'est le compte général de Google. Donc, si je me rends maintenant sur la page de gestion de mon compte Google, j'aurai les paramètres qui permettent de gérer les applications connectées à mon compte Google par rapport à l'aspect précédent qui était les applications liées à mon compte Google. On voit qu'on y retrouve ici Endomondo et qu'on en retrouve d'autres qui n'étaient pas mentionnés bien sûr dans le compte Google. Et je peux aussi révoquer l'accès dans ce cas-là. Tout comme certains appareils peuvent se voir révoquer l'accès par rapport au fait que j'autorise mon téléphone, ma tablette à accéder à mon compte Google. Et pour terminer... Un site qui s'appelle mypermission.org qui permet directement d'accéder aux différentes rubriques concernant ces applications.